Ça, j'en étais sûr de toute façon que ça allait finir comme ça. Les discussions au point mort entre la FIA et Red Bull suite au décès de Matty Fitt. Donc je vous passe l'intro, ça on le sait déjà. La FIA a donc proposé un accord à Red Bull, mais pour le signer, Red Bull doit accepter qu'elle a commis une violation. Mais Red Bull dit que toutes les conversations autour de ce processus ont été suspendues après qu'il ait été confirmé samedi avant les qualifs que Matty Fitt était décédé. Suite au décès de Matty Fitt, toutes les conversations avec la FIA concernant le plafonnement des coûts et les prochaines étapes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le délai pour un accord a été prolongé et nous nous attendons à ce que les pourparlers reprennent en milieu de semaine, juste avant le Grand Prix du Mexique. Red Bull a jusqu'à présent soutenu que sa soumission des comptes suivait avec précision le règlement financier. Donc voilà. Eh bien écoutez, ça tombe mal hein, ce décès. On aurait dû avoir la réponse de l'accord avant Austin. Eh bien écoutez, va falloir encore attendre des jours et des jours. Ça se trouve, c'est même pas sûr que ce sera avant le Grand Prix du Mexique, du coup, qui aura lieu une semaine après Austin. Donc le week-end d'après. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.